Visiblement, les mauvaises nouvelles enchaînent pour Herbert Léonard. Après plusieurs opérations, plus un mois passe dans le coma, et la disparition de son ami proche, France Dimanche annonce que le chanteur aurait perdu l'usage de ses jambes. De son vrai nom Hubert 53 d'auteur Art, le chanteur est venu au monde le 25 février 1945, à Strasbourg. Immense star de la chanson française durant les années 80, il compte dans son registre des tubes tels que « Degré pour le plaisir », « Plus ou moins », « Degré amoureux fou », « Plus ou moins », « Degré sur des musiques érotiques », « Plus ou moins », « Degré laissez-nous revers » et tant des autres encore. Pour information, avant de lancer une carrière en solo et goûter au succès, Herbert Léonard faisait partie d'un groupe de rock surnommé les Jets. Ensuite, en 1966, après avoir terminé son service militaire, il devient le guitariste des Lionceaux. Le chanteur Herbert Léonard. Photo. Getty Images. Tout au long de sa carrière, le Strasbourgeois traverse des moments difficiles, notamment quelques soucis de santé. Aux dernières nouvelles, il se murmure même que le père de famille est plus capable de marcher. Découvrez pour quelle raison. La nouvelle selon laquelle le chanteur de 77 ans ne pourra plus marcher, voilà donc une nouvelle pas très rassurante. Il faut savoir que, en 2021, le chanteur a déjà subi plusieurs chirurgies vasculaires pour degré réparer les dégâts de la cigarette, plus ou moins qui, selon ses dires, et degré sa plus fidèle compagne, plus le chanteur Herbert Léonard. Photo. Getty Images. En janvier 2022, afin de mettre ses fans au courant concernant son état de santé, Herbert Léonard a écrit sur Facebook « Degré bonjour, après 4 semaines d'hospitalisation diverses, je suis rentré chez moi le 31 décembre. Récupère grâce à des soins quotidiens à domicile parmi les soubresauts de la pandémie, j'espère que nous aurons le droit de travailler. » Un peu en 2022. Moi, j'en ai envie. Me désengager de mon passage prévu début février à la Roque d'Enterron, mais c'est parti, remise pour le reste, je serai prête. Peut-être pas? Nous verrons. Plus ou moins recamment, c'est un problème artériel au niveau de ses jambes qui lui est tombé dessus. Selon les informations du magazine France Dimanche, elle, interprète de Frollo dans Notre-Dame de Paris, pourrait hélas ne plus jamais marcher. Ce qui remet en question les retrouvailles avec ses fans. En effet, au mois de juin, il devrait être sur scène et chanter ses plus beaux titres. Malheureusement, elle, artiste, ne pourra plus marcher selon les dires de ses médecins. Cependant, la faisabilité de sa tourne reste encore une question en suspens. Chanteur Herbert Léonard. Photo. Getty Images. La carrière musicale d'Herbert a été un parcours du combattant. Et il a rencontré plusieurs freins qui, heureusement, ne l'ont pas empêché de se relever. Le destin cruel d'RBL, interprète degré amoureux fou, plus ou moins débute dans la musique en 1960. J'ai gravi quelques échelons, le chanteur a dû faire face à un premier coup dur. Malheur débute par un accident de travail où il a perdu son pouce. Il lui a malheureusement empêché d'évoluer en tant que guitariste. Le chanteur Herbert Léonard. Photo. Getty Images. Puis, ses fans se souviennent encore de son accident de voiture en 1970. Herbert a été défiguré et a dû suivre une rééducation avant de réussir à se remettre sur pied. Après cela, il a continué à chanter et a sorti plusieurs tubes. Mais le destin lui joue une fois de plus un autre tour. Grave infection pulmonaire a remis Herbert sur un lit d'hôpital en 2017.
Herbert Léonard. Getty Images, Global Ukraine, les médecins étaient dans elle, obligation de le mettre sous coma artificiel pendant 32 jours. Son réveil, sa femme et ses médecins lui font une revelation. Degré ma femme et les médecins, je suis pas à côté de la mort, plus ou moins en novembre 2017 après sa sortie des hôpitaux, ils décident de revenir sur scène. Mimes, Hélène, a pas voulu rompre la promesse qu'il a faite à ses fans qui lui donnent à chaque fois la force de continuer. Et très émouvant. Cela prouve que beaucoup de gens me suivent encore, a-t-il avoué lors d'une séance de dédicace. Heureusement, durant ces périodes particulièrement compliquées, le chanteur a toujours pu compter sur le soutien indéfectible de ses proches, dont sa ravissante épouse. Sa fidèle épouse, elle, a toujours accompagné Herbert à la chance d'avoir une incroyable femme qui le soutient dans toutes ses épreuves. Appelant son mari, Chloé a toujours tenu ses fans au courant des nouvelles de son mari sur les réseaux sociaux. N, ayant jamais perdu elle, espoir, elle, a beaucoup aidé à tenir le coup. Elle a été exemplaire. Elle a été très forte et a su rassurer les gens inquiets. Elle a été incroyable. A confié Herbert lors d'une interview. Faut avouer que le couple de chanteurs a surmonté beaucoup d'épreuves en 50 ans de romance. Toutefois, leur amour est toujours intact. À part les soucis de santé de son mari, Chloé est aussi présente à ses côtés dans des autres moments durs. Notamment réconforte à la mort de son meilleur ami. Lire aussi, Herbert Léonard fête ses 74 ans, qui est Chloé, sa femme depuis plus de 50 ans. La mort d'un ami a été la dernière goutte eux a eu vraisemblablement la fin d'année 2021 pour Herbert N, et qu'une succession de malheureux événements. En plus de ses multiples soucis de santé, il apprend la perte de son meilleur ami, René Sor. Plus qu'un agent pour Herbert Léonard, puisqu'ils étaient tous les deux très proches. C'est normal après 35 ans de complicité. Le chanteur se confie lors d'une interview. Il aime, et très difficile d'accepter ce départ, même si je sais qu'il est en paix, loin des souffrances. Nous avons vécu, travail, voyage, partage tant de temps, de lieux, du travail et des loisirs, des rires, des désaccords, des complicités, ensemble. Pour avoir des plus d'actualités sur autres... Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.